Que nous puissions
qui ont levé la main, tous ceux qui ont besoin ce matin. Et nous allons prier notre Dieu. Car notre Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. Vous le croyez? Béni sois-tu, mon Seigneur. Oui, Seigneur, nous l'avons chanté, mais nous le croyons profondément. Amen. Que tu es fidèle et que tu réponds à nos besoins. Seigneur, tu vois ses mains levées, Seigneur. Et nous prions que dans le nom de Jésus, oh, alléluia, Seigneur, ses voeux, tu les entends ce matin et tu y réponds, Papa. Oh, non pas, Seigneur, oh, béni sois-tu, exalté sois-tu, nous savons combien tu es fidèle, alléluia. Oui, Seigneur, tu ne nous as jamais laissé, tu ne nous as jamais abandonné. Tu réponds à nos besoins, Seigneur. Ô Père, que ton nom soit élevé au milieu de nous en ce matin et que ces besoins soient exaucés en ce matin. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est merveilleux. Dieu est fidèle. Dieu est tout-puissant. Il est le seul vrai Dieu. Et en ce matin, nous allons confesser que l'heure de la victoire a sonné dans nos cœurs. Et comme une armée qui part à la bataille, nous allons adorer notre Dieu de toute notre âme, de tout notre être. Ensemble, une seule voix, ensemble. Nous allons entonner ce chant pour adorer Dieu, pour lui offrir un sacrifice de louange qui lui est agréable. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur. L'heure de la victoire. Jésus soit loué.
question ce matin de Google, moi je te dis, je sais que mon Rédempteur vit. Qu'est-ce que tu réponds? Amen. Alléluia. Oui, notre Rédempteur est vivant et nous allons le proclamer. Je sais que mon Rédempteur vit. Je sais qu'il m'a racheté. Confessons la vérité de Dieu dans notre vie et avançons, avançons. Mon Rédempteur vit. Je sais qu'il t'a racheté, oh, oh, oh.
jamais l'adversaire venir voler notre joie, voler notre assurance que notre Rédempteur est vivant. Il est vivant. Et parce qu'il est vivant, parce qu'il nous a racheté, notre seul désir, c'est d'être auprès de lui, c'est d'être avec lui. Seul désir, tu t'es donné pour moi. Mon âme a soif, mon être utile. Tout ce que je suis, je le consacre à toi. À toi et à toi seul, Jésus.
louange à toi. Les merveilles de ta grâce. Louange à toi. Merci pour le secours que tu nous prêtes. Louange à toi, Seigneur. Merci, Baba. Louange à toi. Sois loué, mon Dieu, mon Père. Sois béni, mon Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur, c'est la seule chose que je ne fais pas de toi. Oui, parce que c'est toi qui me fais confiance. Seigneur, c'est toi. Oui, parce que c'est toi qui es venu me chercher. C'est toi qui m'as mis dans ta première vie. Et je veux, Seigneur, continuer à marcher avec toi. Jésus. Alors, sois loué, sois béni, sois grâce pour moi. Jésus. Et oui, Seigneur, pour que mon désir, je ne me fais rien à tes pieds. Si on veut en faire ta volonté, Seigneur, mon instant ce matin, ce que je demande de mon être, c'est de permettre que ton esprit rentre tes mains, afin que je puisse porter ta parole, afin que je puisse parler de toi. Nous n'avons que toi, éternel, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. Alors, à qui nous devons-nous, si ce n'est qu'à toi, tu as les paroles de la vie éternelle. En ce matin, nous ne voulons ni faire voir la chair, nous voulons tout faire voir les yeux, par l'onction et l'action de ton Saint-Esprit. Mais fais le geste. Accepte de venir à moi. Donne-moi tout. Tout ce que, qui m'est dû. Un cœur repentant. Abandonne tes fautes. Abandonne tes transgressions. Abandonne ta manière de voir et d'agir. Laisse-moi agir en toi par mon esprit, car c'est mon esprit qui te permettra de venir à moi tel que je t'attends. En ce matin, Seigneur, ton peuple est devant toi. En ce matin, Seigneur, tu sondes nos cœurs et tu sondes nos mains. Ce matin, Seigneur, nous sommes venus t'adorer, te porter un culte. Mais nous savons que ta parole dit que tu ne laisseras jamais une brebis s'égarer, car tu ne perdras aucun des petits que le Père t'a confié. Seigneur, ce matin, tu connais l'état de mon frère, de ma sœur, tu connais la circonstance qui fait qu'aujourd'hui, il soit peut-être handicapé, mais tu es celui qui guérit.
Tu es celui qui restaure, tu es celui qui fortifie, tu es celui qui encourage, tu es celui qui libère, tu es celui qui délivre. Seigneur, je prie à toi que ton armée en ce matin puisse t'adorer de même cœur. Afin que, Seigneur, les mensonges du diable soient chassés de l'esprit de tes enfants. Et que tes enfants te voient, toi et toi seul, t'adorent en esprit en vérité. Seigneur, nous t'adorons ce matin encore au travers de ce chant. Nous adorons Adonai, nous adorons El Shaddai. Ensemble, bien-aimés, levons-nous et adorons Adonai, adorons El Shaddai. Il mérite la gloire, il mérite la louange, il mérite l'adoration. Adorons le roi de gloire. Oh,
bien. Voilà, bonjour tout le monde, vous allez bien? Oui, heureux d'être avec vous ce matin. Est-ce que vous êtes heureux d'être ici ce matin? Amen. Pourquoi vous êtes heureux? Jésus-Christ est avec nous. Amen. D'autres réponses? Amen. Oui, c'est une réponse. Non, il y a Jésus est avec nous, c'est merveilleux, hein? Vous l'avez déjà vu, Jésus, monsieur? Non. Il agit par son esprit en vous? Amen. Est-ce que vous êtes sauvé? Amen. Est-ce que vous avez l'assurance de la vie éternelle ce matin? Amen. Une place est prête dans le ciel ce matin pour vous? Amen. Quoi qu'il arrive? Même si vous deviez passer aujourd'hui? Okay. Donc vous avez l'assurance et la conviction du pardon de vos péchés. Amen. Je voudrais encourager quelqu'un, puisqu'il y a eu un annonce spirituelle ce matin, un appel au salut, et c'était important de le relever. Et au travers du don spirituel, il était question de quelqu'un qui, si j'ai bien compris, eh bien, avait été là dans ce lieu, mais n'avait pas encore demandé pardon pour ses péchés, n'avait pas l'assurance donc, de la vie éternelle, n'avait pas fait de Jésus son sauveur. Et c'est vrai qu'on peut être dans ce lieu et être bien, être content, parce qu'il y a une ambiance, parce qu'il y a de beaux chants, mais on ne doit jamais rater l'objectif. Le but de notre venue dans ce lieu, c'est eh bien de savoir que nous devons nous positionner sur terre. Et l'important, se positionner sur terre pour le salut. La Bible nous invite à faire le choix du salut, le choix de rencontrer et d'accepter le don de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Et donc c'est important ce matin de réaliser cela. Parce que vous êtes peut-être dans ce lieu, vous avez été invité, ça fait peut-être quelques mois que vous êtes venu, que vous venez, que vous avez l'habitude de venir, mais en fin de compte, peut-être qu'il ne s'est encore rien passé dans votre cœur. Vous venez par gentillesse, par sympathie, pour faire plaisir, ou peut-être parce que vous trouvez ça bien, mais vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur Jésus. Et je vous pose la question, est-ce que vous êtes sûr, si vous devez partir aujourd'hui, que vous êtes prêt? Moi, prochainement, je vais partir en congé. Allez voir mes parents, ça fait 3 ans que je ne les ai pas vus. Là-bas en métropole. Je peux vous demander de dire que partir en voyage, ça se prépare. Il faut être sûr que le passeport est prêt. Il faut être sûr que vous avez fait, surtout en ce moment avec la crise sanitaire, ce qu'il faut. Test PCR, machin, 72 heures avant. Enfin, du départ en Martinique, ça va aller, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, il faut bien se renseigner au niveau de la préfecture, etc. Il y a plein de choses à faire, ok? Mais ça, c'est pour un voyage de quelques semaines, hein. Mais pour l'éternité, ne faut-il pas se préparer? Ne vivons pas notre vie sans réaliser qu'à tout moment, Jésus, en effet, peut venir nous chercher. Parce qu'il est le Créateur, il est celui qui nous a donné le souffle de vie, il peut le reprendre à tout moment. À tout moment. Alors c'est important de se positionner ce matin. Alors, je ne sais pas pour qui était ce don spirituel, et c'est important de comprendre qu'il faut se positionner pour donner sa vie à Jésus. C'est important. Amen, vous êtes toujours vivant? Amen. Profitez-en, hein, parce qu'on ne sait pas ce qui arrivera dans quelques temps. Je plaisante. Ok. Alors, vous savez quoi? J'ai une bonne nouvelle. Dieu est notre Père. Amen. Dieu est notre Père. Et c'est vraiment ce que Jésus-Christ a affirmé lorsqu'il est ressuscité. Il a donné sa vie à la croix du calvaire, mais Jésus n'est pas resté dans le tombeau. La Bible nous dit que 3 jours après, il est ressuscité. Et lorsqu'il va ressusciter, la première personne qu'il va aller voir, c'était la personne qui le pleurait le plus. Et cette personne qui le pleurait le plus, et qui était devant le tombeau, elle était défaite, elle ne comprenait pas, c'était Marie de Magdala, que Jésus avait beaucoup aimé. Dans ce sens qu'il était allé la chercher au plus profond de ses ténèbres. La Bible nous dit que c'était une femme qui était possédée de 7 démons. Et quand on est beaucoup aimé par le Seigneur, bien souvent, on devient extrêmement aimant à notre tour. Lorsqu'on comprend d'où il est venu nous chercher, en retour, c'est naturel, dans notre cœur, on veut lui manifester cet amour. Et combien il est important de jamais se refroidir sur le chemin de la vie chrétienne, n'est-ce pas? Mais en tout cas, elle est là devant le tombeau de Jésus, et là il y a un homme qui arrive vers elle et qui lui parle. Elle pense que c'est un jardinier. Et à un moment donné, les écailles de ses yeux vont tomber,
c'est l'image que je vous donne. Elle va comprendre, elle va avoir une révélation, elle va comprendre, c'est Jésus-Christ qui est vivant et qui est en train de me parler. Et la parole de Jésus va être celle-ci, il va lui affirmer quelque chose de formidable, il va lui dire, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Jusque-là, tout va bien. Mais maintenant que la mort et la résurrection de Jésus ont été accomplies, il dira ceci, mais va trouver mes frères. C'était les disciples qu'il appelle maintenant ses frères. Et nous sommes ses frères aussi, et nous sommes les sœurs pour les âmes de Jésus-Christ ce matin. Et il ajoute, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Nous sommes, pour ceux qui ont rencontré Christ, enfants de Dieu. Nous sommes frères et sœurs de Jésus, et nous avons le même Père céleste. Nous avons le même Père céleste. Dans Jacques chapitre 1, verset 16, voilà cet affiché, voyez ce qui est écrit, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre, de variation. » Ça, c'est une parole qui est formidable, qui est merveilleuse. Dans la version Semeur, je reprends exactement le même verset, mais dans la version Semeur, c'est « Ne vous laissez donc pas égarer sur ce point, mes chers frères. Tout cadeau de valeur, tout don parfait, nous vient d'en haut, du Père qui est toute lumière et en qui il n'y a ni changement, ni ombre dû à des variations. » Alors on a besoin de comprendre, et là je m'adresse aux enfants de Dieu, aux chrétiens, et peut-être à celui ou celle qui est sur le pas de la porte, qui n'est pas encore entré dans le royaume de Dieu, tu es au pas de la porte et le Seigneur t'a interpellé ce matin, il est important maintenant que tu passes le pas de la porte, il est important que tu puisses entrer dans le royaume de Dieu, mais vous comprenez bien que nous avons besoin de réaliser ce verset, non pas simplement avec notre intelligence. Voilà, toute grâce excellente, tout nom parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Bon, on a besoin de le saisir avec notre cœur, avec vraiment de l'expérimenter, de le saisir par la foi, et de vivre cette relation personnelle avec notre Père céleste. On a besoin que notre conscience, notre cœur s'ouvre à la réalité que l'on peut toucher, à la réalité tangible de l'amour de Dieu. Un amour qui est immuable, un amour qui ne connaît pas de changement, qui ne connaît pas d'ombre de variation. Ce matin, le soleil s'est levé à 5h45, à peu près. En ce moment, il se lève un peu plus tôt qu'au mois de décembre. Et puis, il va se coucher normalement vers 18h30. Mais si vous avez l'idée un jour de vous poster chez vous, et de rester à la même place toute la journée, ce que je vous déconseille, pensez à vous hydrater quand même. Mais en tout cas, si vous restez sur place, vous allez voir que le soleil va bouger. Et que les ombres que le soleil va projeter, les ombres vont évoluer. Il va y avoir une variation et un mouvement au niveau des ombres. Le matin, lorsque le soleil se lève, les ombres sont énormes. Au fur et à mesure que le soleil monte à son zénith, à midi, les ombres sont toutes petites. Et puis au fur et à mesure que le soir avance, nous comprenons que les ombres s'étalent aussi. Et ça, c'est dû au soleil qui évolue, au soleil qui bouge, qui se meut. Dieu, lui, au niveau de ses sentiments pour sa créature humaine et surtout pour ses enfants, n'évolue pas. Il reste exactement le même. Son amour ne varie pas. C'est pourquoi nous pouvons affirmer que tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni onde de variation. Alors, vous avez besoin de saisir, on va passer à la deuxième diapo s'il te plaît, vous avez besoin de saisir que votre Père céleste, l'amour de votre Père céleste, ne dépend pas des circonstances. L'amour de Dieu ne dépend pas de vos circonstances. Vous êtes toujours là? Amen. Amen. Parce que parfois, quand tout roule dans notre vie, on a l'impression que Dieu nous aime plus. Et on se sent sur le sommet, c'est super. On est un petit peu, je ne sais pas s'il y a des gens qui font du surf ici. Des gens qui font du surf? Peut-être pas de surf. Mais quand vous êtes un surfeur, vous pouvez. L'important, c'est d'être dans le creux de la vague et de trouver la bonne position, vous voyez, pour faire aucun effort et pour se laisser glisser. Vous
glisser. Et là, c'est super, paraît-il. Moi, j'en ai jamais fait. Mais vous avez des sensations qui sont formidables parce que vous êtes comme léger, vous flottez. C'est un instant, entre guillemets, de grâce. Vous flottez dans l'espace. C'est formidable, c'est merveilleux. Eh bien, quand on a de tels sentiments dans nos vies, tout va bien. On flotte sur les circonstances. On surfe sur la vague. Alors, on a l'impression que c'est formidable. Dieu nous aime et que c'est grâce à ce qu'on est en train de vivre. Mais l'effet inverse arrive aussi dans la vie. Parce que s'il est vrai qu'on peut surfer sur de bonnes circonstances à certains moments, il nous arrive d'avoir des grains de sable. Ça vous arrive des grains de sable? Quand ça tombe dans un œil, c'est jamais très agréable, n'est-ce pas? Un grain de sable, c'est tout petit un grain de sable. Hein. Pas grand-chose, c'est presque microscopique. Mais il suffit qu'il tombe au mauvais endroit et toute la machine, voilà, se met à être en panne. Et il nous arrive d'avoir des grains de sable, des circonstances qui tout à coup n'étaient pas prévues, c'est la vie, et qui deviennent complètement défavorables. Et à ce moment-là, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on pourrait se poser la question de savoir, mais il en est où l'amour de Dieu pour moi? Pourtant, la Bible m'affirme que chez Dieu, il n'y a ni ombre de variation, ni changement. Mais les circonstances ont changé. Donc, Dieu m'a abandonné. Il y a certaines personnes qui réagissent comme ça. Alors, on va se poser la question pour les lecteurs de la Bible, l'exemple de Joseph. Vous imaginez Joseph? Dans les premières années de sa vie, ouais, il a des visions formidables. Tu vas régner, ça va être fort, Joseph. Tu vas régner sur tes frères, tu vas régner sur ton père, tu vas être un grand, quoi. Ok. Et là, il est jeté dans une citerne par ses frères. On fait croire qu'il est mort. Hein, et puis ensuite, il est vendu comme esclave en Égypte. Puis je passe les détails. Il est jeté en prison. Enfin, si Joseph avait dû se concentrer sur ses circonstances, il aurait pu se dire, ben c'est sûr, Dieu ne m'aime pas. Dieu m'a rejeté. Mais quand on lit attentivement les textes de la Genèse concernant Joseph, pendant tout son parcours de galère sur terre, la Bible dit sans cesse, il y a toujours ce refrain qui revient, l'Éternel était avec Joseph. L'Éternel était avec Joseph. Donc l'amour de Dieu ne dépend pas de nos circonstances. L'amour de Dieu ne dépend pas non plus de nos émotions. Ce n'est pas parce que vous ne ressentez pas cet amour de Dieu que Dieu ne vous aime plus. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, de chrétiens. On est humain. Et ça, on ne pourra jamais l'empêcher. Si vous souhaitez faire votre vie chrétienne sans accepter votre humanité, alors vous vous êtes trompé de sauveur. Vous êtes là? Parce que déjà, Jésus ne s'est fait pas. Et en plus, Jésus est venu sauver des êtres humains. Il n'est pas venu sauver des lapins. D'accord? Donc, si vous n'acceptez pas en tant qu'enfant de Dieu votre humanité, et si vous pensez que vous n'êtes qu'un esprit au-dessus de tous les problèmes de la vie, tels que la maladie, tels que tout ce que vous voulez, hein, vous trompez. Parce que dans ces conditions, ça voudrait dire que vous n'avez plus besoin de Jésus comme sauveur. Vous êtes devenu votre sauveur, vous maîtrisez tout. Il y a un excès parfois dans les milieux évangéliques, c'est de croire qu'avec Dieu, on est immunisé contre tout. Ça ne m'arrivera jamais. Ben, tu n'as pas besoin de Jésus alors si ça ne t'arrivera jamais. Non, il faut être équilibré. Si ça m'arrive, Jésus est avec moi. Le psaume 23 me dit... quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. La Bible ne dit pas, puisque je serai immunisé de la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas besoin que tu marches avec moi. D'accord avec ça? Donc, je reviens à ce que j'étais en train de dire, l'amour du Père Céleste ne dépend pas non plus de nos émotions. Il y a des moments où on ne se sent pas du tout, la présence de Dieu, ça nous arrive. Puis il y a d'autres moments où on sent vraiment la présence de Dieu. Et parfois, on ne sent pas du tout qu'on est aimé de Dieu. Et cependant, on l'a dit, l'amour du Père Céleste n'a ni changement, ni ombre de variation. Il reste le même pour ses enfants. Et puis, l'amour de Dieu ne dépend pas non plus de ma foi. Parce que ce n'est pas parce que j'ai peu de foi, voire je suis dans l'incrédulité,
En tant qu'enfant de Dieu, on pourrait tomber dans une certaine incrédulité, mais il faut bien comprendre que mon peu de foi, ou ma foi que je n'ai pas du tout, ça ne touche pas Dieu, parce que Dieu reste le même. Regardez-moi, vous êtes toujours là? Ok. Quand Christ est mort sur la croix du Calvaire, vous y étiez? Moi, je n'y étais pas. Hein. Ça fait trop longtemps. Hein. Je suis pas né il y a 2000 ans. Voilà. Je ne vais pas vous dire mon âge, mais bon, vous pouvez à peu près estimer, quoi. Ok? Mais tout ça, pourquoi je dis ça? Parce que dans Romains chapitre 5, verset 7, il y a une formidable verset qui nous dit ceci. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. C'est formidable, hein? Je reprends ce verset. Voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Voici comment Dieu te montre l'amour qu'il a pour toi. Alors même que tu étais encore un pécheur, donc tu n'avais pas manifesté de foi, tu n'avais cru en rien du tout, tu étais pécheur, tu étais éloigné, tu étais rejeté, ben, sache que la bonne nouvelle de l'Évangile, et ça s'appelle la grâce de Dieu, Christ est mort pour toi. Christ est mort pour toi. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Donc maintenant, si je suis enfant de Dieu, je crois et je ne crois pas. Bien sûr que je t'invite à croire, hein, à persévérer dans la foi, à grandir dans la foi, à progresser dans la foi, à évoluer dans la foi, bien entendu. Mais il ne faut pas croire que Dieu est limité par notre foi. Il ne faut pas croire que Dieu est limité par notre foi. Un jour, une femme s'approche dans cet homme, je vous cite le texte de mémoire, et ça se passe dans Jean chapitre 4. Vous êtes là, Jean chapitre 4. Il n'est pas question de la Samaritaine, il est question d'un homme qui s'approche de Jésus. C'était, si je me souviens bien, un officier romain, ça me revient. Et cet officier romain, dans l'Évangile selon Jean chapitre 4, avait un fils qui était malade. Et ce fils malade, cet homme s'approche de Jésus et il y va avec son plan, il y va avec son fonctionnement. Et il va venir vers Jésus, il va lui dire, écoute Jésus, s'il te plaît, tu vas venir à la maison, tu vas toucher mon fils afin qu'il soit guéri. Et Jésus va lui répondre ceci, il va, alors je vous cite de mémoire, il va lui dire et lui répondre, eh bien, si vous ne voyez pas des miracles, vous ne croyez pas. Alors là on se dit, mais Jésus, c'est quoi cette réponse quand même? Tu as quelqu'un qui s'approche de toi, son fils est malade. Il risque de mourir, et toi tu lui réponds des choses quand même qui sont invraisemblables. Si vous ne voyez pas des miracles, vous ne croyez pas. Et l'homme va insister encore, il va exactement faire la même prière. Et Jésus va lui répondre, va ton fils est guéri. Et ça, ça va toujours interpeller. Écoutez-moi bien, qu'est-ce qui m'interpelle dans ce passage? C'est qu'on a quelqu'un qui s'approche du Seigneur avec sa façon de voir, avec sa conception, avec sa façon d'avoir la foi, d'exprimer la foi. Et il fallait que Jésus entre dans le cadre de ce qu'il voulait. Et Jésus va lui dire, mais moi je ne vais pas rentrer dans ce que tu as conçu, à penser, à réfléchir. Moi je suis capable de guérir ton fils sans même me déplacer, sans même aller chez toi, sans même le toucher, je suis capable de le faire. Cependant, tu ne dois pas t'attacher à ce que tu vois, mais tu dois simplement croire en ma parole. Et Jésus va lui dire, ton fils vit. Et sur cette parole, la Bible nous dit que l'homme va aller chez lui, donc il va prendre le risque de croire la parole de Jésus. Et la Bible nous dit que plus tard, il rencontre ses serviteurs, il leur demande à quelle heure mon fils a été guéri. Et c'est exactement à la même heure que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Alors vous comprenez que parfois nous sommes limités par notre foi ou dans le sens de nos conceptions. Et combien on a besoin de réaliser que Dieu ne dépend pas de ma foi, Dieu est Dieu. Il est tout puissant, il est grand. Et parfois ma petite foi va tenter à limiter Dieu. Alors que je dois comprendre que ce qui est important, c'est d'avoir la foi, point final, dans ce grand Dieu. Dans ce grand Dieu. Amen. Et parce qu'il est grand, parce qu'il est tout puissant, alors il reste le même, il n'a ni changement, ni onde de variation. Si ma foi peut parfois être fluctuante, lui ne change pas. Vous imaginez si Dieu devait fluctuer en fonction de ce que nous croyons, nous? Vous savez, dans le Moyen-Âge, il y avait très très peu de croyants réveillés, très peu de chrétiens au Moyen-Âge. Ça fait longtemps le Moyen-Âge, hein? Les années 1000 après Jésus-Christ. 1200, 1300,
Il y avait peu d'églises réveillées, il y avait peu de rassemblements de chrétiens réveillés. Dieu s'est gardé un petit reste. Je parle de l'histoire des églises en France, parce que je ne connais pas assez ce qui se passait en Angleterre ou ailleurs. Mais en tout cas, on sait très bien qu'au niveau historique, dans la France, milieu francophone, il y avait très peu d'églises réveillées dans le Moyen-Âge. Imaginez, ça veut donc dire qu'à ce moment-là, eh bien, Dieu n'était plus Dieu, il y avait tellement peu de foi en lui, bah, que Dieu était devenu un petit Dieu. Et puis maintenant, parce que beaucoup croient en Dieu, alors Dieu est redevenu un grand Dieu. Comprenez la chose? Dieu n'est pas limité par la foi. Et l'amour du Père ne dépend pas des circonstances, des émotions, et ne dépend pas de ma foi. Amen. Ok, je continue. Vous me suivez toujours? Maintenant, on va prendre l'exemple de Jésus. Ok? Jésus se retrouve à Gethsémané. Et à Gethsémané, il va prier et il va dire ceci: « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jette contre terre, il pria que s'il est possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait « Abba ». Retenez ce petit mot « Abba », c'est-à-dire « Papa » en araméen. « Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » On se met à la place de Jésus. Est-ce que Dieu, le Père, aime le Fils? Vous êtes d'accord avec ça? Dieu, le Père, aime le Fils. Ok. Maintenant, regardons les émotions de Jésus. Il est triste. Donc franchement, si Jésus avait dû s'appuyer sur ses émotions, il se serait dit que le Père Céleste ne l'aimait pas. Je continue. S'il avait dû s'attendre à l'exaucement de ses prières pour être assuré que son Père l'aimait, des fois, il y a des chrétiens, ils s'attendent à l'exaucement de leur prière comme ils veulent pour être sûrs que Dieu les aime. Alors que parfois, l'amour de Dieu, c'est de ne pas exaucer les prières comme ils le veulent. C'est ça? Non, mais c'est vrai, hein? Parce que Dieu reste Dieu. Et parfois, il sait très bien que pas répondre à ce que tu demandes, c'est mieux pour toi. Et si excusez-moi, des fois, on fonctionne encore avec une mentalité idolâtre et païenne. On fait un deal. Eh hey, Dieu, si tu réponds à ça, c'est que tu m'aimes. Wop, 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 wop. Erreur fatale. Rentre pas dans ce jeu-là. Parce que tu sais même pas ce qui est bon pour toi. Il ne faut surtout pas prier comme ça. Jésus a dit que ta volonté soit faite. Alors, s'il avait dû s'attendre à l'exaucement de ses prières pour être assuré que son père l'aimait, ben, il en aurait conclu que son père n'aimait plus. Et que dire des circonstances qu'il allait connaître, Jésus? Il allait connaître la croix. Vous imaginez? La croix du calvaire, la mort ignominieuse, la mort pour les brigands, pour les parias, pour les méchants, pour les mauvais, on va se moquer, on va le mépriser. Ah, s'il avait dû s'attacher même à ces circonstances-là, il disait, c'est même pas la peine, Dieu n'aime pas. Donc je reprends ce que nous disions tout à l'heure au niveau de Jacques chapitre 1, il est dit, ne vous trompez pas, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Je continue, on est jusqu'à quelle heure en fin de compte? Je ne sais pas. 9h, ok, parfait. Alors, je continue. Écoutez-moi. Parfois, on se base sur notre expérience personnelle. Ok. Moi, je vais vous apporter quelques éléments de mon expérience personnelle par rapport à la relation avec mon père humain. Ok. Parce qu'avant d'être chrétien, j'étais pas chrétien, figurez-vous. Et vous aussi, on est tous pareils. Eh bien oui. Donc, on avait une vie avant d'être chrétien. Et avant d'être chrétien, notre vie, c'était quoi? C'était les expériences qu'on a pu accumuler. Mais entre le moment où on est devenu chrétien et le moment où on a accumulé donc, toutes sortes d'expériences, ben, le temps, même si aujourd'hui le temps a passé, parfois on a besoin d'être renouvelé dans notre intelligence pour que les expériences du passé n'en viennent pas à déterminer notre relation avec Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Bon. Alors moi, mon expérience
quand j'étais enfant, même quand j'étais ado, je me suis converti, j'avais 17 ans, 17 ans et demi. Quand j'étais enfant, j'ai été éduqué sur la base du mérite. Bon, on ne va pas faire des cours d'éducation ce matin, hein, mais écoutez bien. Donc, tu n'as que ce que tu mérites. Ok ? Sauf que parfois, on peut faire les efforts nécessaires pour obtenir quelque chose et rater. Vous savez, Charles, ça ? Les personnes, ils se donnent à fond pour un examen et manquent de chance. Enfin, ils ratent. Pourtant, ils ont fait les efforts qu'il fallait. Hein. Donc, tu n'as que ce que tu mérites. C'est pas très juste. Hein. Pas très juste. Et la vie nous apprend qu'on n'a pas toujours ce qu'on mérite. Ensuite, j'ai été aussi éduqué un petit peu comme nous tous. Hein. La vie nous apprend aussi donc, que parfois nous obtenons ce que nous ne méritons pas. Ben oui, il y a des personnes, ils sont fils uniques de milliardaires. Ben, ils n'ont rien fait pour naître dans un foyer où ils sont fils uniques ou filles uniques de milliardaires. Ils vont avoir un héritage extraordinaire. Mais ils n'ont pas mérité cela. Ok ? Vous êtes toujours là ? Bon. Donc il peut nous arriver des tuiles aussi et nous n'avons rien fait pour les recevoir. Nous recevons, je l'ai dit aussi, des richesses injustes et nous n'avons rien fait pour les mériter. Et puis, moi, dans mon évolution, dans mon passé, j'ai longtemps lutté contre la réalité d'un Père céleste qui m'aime tel que je suis, parce que mon père en chair, mon papa, il n'a pas forcément été le papa que j'aurais souhaité avoir, figurez-vous. Hein, c'était le papa qui était violent. Moi, je me souviens des coups, et je me souviens dans la maison, c'était pas terrible. Franchement, c'était même difficile. Et j'ai grandi dans un climat comme ça. Alors, quand je me suis converti, comprendre que Jésus est mon sauveur, ça a été difficile, mais à un moment donné, le Saint-Esprit a pu me convaincre. Comprendre qu'il y avait la présence du Saint-Esprit, ok, la personne du Saint-Esprit que je ne vois pas mais qui m'accompagne, je peux comprendre, d'accord, merci Seigneur. Alors par contre, saisir qu'il y a un Père céleste, tout-puissant, qui m'aime, ça je n'arrivais pas à saisir. Non, parce que mon passé ne me permettait pas de comprendre que Dieu, mon Père, mon Papa, m'aimait tel que je suis. Je ne pouvais pas le saisir à ça. Et donc j'ai bataillé pendant des années de conversion, j'ai peut-être mis 6, 7, 8 ans, pour enfin pouvoir dire, oui, tu es mon père, je suis ton enfant. Et je confesse, Jacques chapitre 1, versets 16 et 17, chez toi il n'y a pas d'ombre de variation, il n'y a pas de changement, tu m'aimes tel que je suis. Et vous savez quoi? Quand on commence à réaliser, à vivre ça en tant que chrétien, on vit le repos de la foi. On commence à entrer dans autre chose dans notre relation avec Dieu, c'est la grâce. Ok? Et tant qu'on n'a pas compris la grâce, on est encore dans la loi. Et il y a des chrétiens qui sont encore dans la loi parce qu'ils n'ont pas encore compris l'amour extraordinaire du Père Céleste pour eux. Donc, ils sont baptisés, ils servent, mais pas avec la mentalité du fils avec le Papa Céleste, ou de la fille avec le Papa Céleste. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie chrétienne? Je bosse. Tu es qui, toi? Donne-moi ton identité en tant que chrétien. Moi, je suis un soldat. Quelqu'un va dire, moi, je suis un ouvrier. Quelqu'un va dire, moi, je suis un travailleur pour Dieu. Un autre dira, moi je suis l'esclave du Seigneur. L'autre dira, moi je suis serviteur du Seigneur. Tout ça est excellent et vrai. Mais la première des choses sur laquelle doit être basée notre vie et qui va déterminer ensuite toute notre relation avec Dieu et même notre relation avec les autres et même notre façon d'évangéliser. La première des choses, c'est je suis un fils. Oui. Je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Ça, c'est formidable. Parce que si vous dites à des... Vous ne le tirez pas comme ça, hein, quelqu'un à qui vous témoignez, est-ce que tu ne veux pas être un esclave de Jésus, toi? Ah, mais Dieu t'aime, hein. Ah, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que tu deviennes un esclave de Dieu. Écoute, t'es bien sympathique, hein.
Mais ça, c'est pas forcément ce à quoi j'aspire, non. Ce que les hommes et les femmes qui nous entourent, ce à quoi ils aspirent, c'est d'être aimés gratuitement. Parce que c'est ce qu'ils recherchent sur Terre. Et ils ne l'ont jamais trouvé, ça. C'est toujours du donnant-donnant. D'être aimé, tout simplement pour ce que l'on est, et ça, c'est l'évangile de la grâce. C'est l'évangile de Jésus. Et la Bible nous dit que la loi est venue par Moïse, Jean chapitre 1 verset 18, la loi est venue par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nous sommes des fils et des filles du Père Céleste, et donc de Jésus. Vous êtes toujours vivant? Ok, il nous reste 10 minutes. Maintenant, on avance. Alors, on avance et on va prendre l'autre diapo, s'il te plaît. Et on va parler de cette personne merveilleuse qui est le Saint-Esprit. C'est écrit un petit peu petit, mais enfin, les références sont Romains chapitre 8, versets 15 à 17. Romains chapitre 8, versets 15 à 17. Et voici ce que dit la ville. Alors, second, vous n'avez point reçu un esprit. Quand on parle d'esprit, ne tremblez pas. On parle de mentalité, d'état d'esprit. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et c'est ce que disait Jésus dans une circonstance terrible, il disait « Abba ». Je continue. « L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui. Amen. » Alors on comprend, une des premières choses au travers de ce verset, c'est que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que le Père nous aime comme il aime le Fils. Le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que le Père nous aime comme il aime le Fils unique. C'est la quatrième diapo, s'il te plaît. Ouais, je la fais travailler, on peut l'encourager quand même. On vous l'encourage à la sortie. Okay. Alors, ok, ça c'est important. Le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que le Père nous aime comme il aime Christ. C'est facile à dire. Hein. Essayez de comprendre ça. Parce que c'est vraiment ce qu'on a lu dans Romains chapitre 8, versets 15 à 17. On vient de dire que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que le Père nous aime exactement, avec la même intensité, avec la même force. Je parle aux fils et filles de Dieu, aux enfants de Dieu. Hein. Je ne parle pas ça aux créatures de Dieu, là je parle à ceux qui ont reçu Christ. Là. Parce que Paul s'adresse à ceux qui ont reçu Christ. Le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que le Père nous aime comme il aime le Christ. C'est formidable. Vous savez, moi, je, rien que ça, bon, ben, c'est bon. Hein, je peux faire ma vie avec ce verset et puis ça me suffit. Quoi, parce que c'est formidable, cette révélation. Le Saint-Esprit nous communique l'assurance, la conviction que par Christ et avec Christ, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Donc, mon identité, c'est être enfant de Dieu, c'est être fils et fille de Dieu. Je vais plus loin maintenant. Troisième point, le Saint-Esprit nous montre que le Père nous aime comme ses enfants d'adoption et tout autant que son fils unique. On va parler de l'adoption. Est-ce qu'il y a des parents qui ont adopté au milieu de nous des enfants? Oui. J'imagine que ça a été compliqué pour arriver à adopter, et qu'il a fallu que tu lui batailles. Vous savez, je crois que quand des parents ou un couple a un désir d'enfant et qu'il ne peut pas avoir d'enfant, c'est une vraie, bon, c'est une vraie souffrance pour certains. D'autres m'ont témoigné, non, écoute, nous, ça va, on, voilà, si Dieu nous donne un enfant, on sera content, mais pour ceux qui ont un désir d'enfant et qui n'y arrivent pas, c'est compliqué. Alors, la voie de l'adoption se met en marche et ça peut durer des années, 3, 4 ans, voilà. C'est compliqué, c'est de la bataille. Donc imaginez que quand un papa, une maman, ils veulent un enfant et qu'ils adoptent, c'est un choix qui est réfléchi
qui est pesé. Et puis aussi, c'est du boulot, quoi. C'est du travail pour arriver enfin à pouvoir adopter un enfant. Et vous voyez, je crois que Dieu nous a voulu désirer au point qu'il nous a adoptés. Dieu nous a voulu et désiré au point qu'il nous a adoptés. Dans la culture de Jésus, qui était une culture juive, mais les juifs étaient envahis par les Romains. Et les Romains eux-mêmes avaient hérité d'une autre culture, qui est la culture grecque. Donc quand on lit la Bible, on doit bien comprendre que dans l'arrière, quand surtout Paul apporte quelques notions, il parle à des gens qui vivent dans un contexte d'il y a 2000 ans, un contexte romain et grec. Vous êtes toujours là? Alors quand il parle d'adoption, il parle de choses qui interpellent surtout les Romains, parce que c'est l'épître aux Romains qui en parle. Donc le terme d'adoption, dans l'épître aux Romains, il révèle quelque chose de particulier, que je vais vous lire, que j'ai trouvé dans un texte. Chez les Romains, adopter occupait une grande place dans la législation. Ça veut dire que adopter, ça faisait vraiment partie, entre guillemets, du code pénal. C'était vraiment inscrit, c'était une société qui s'était dit, nous, on va vraiment mettre dans notre code de loi l'adoption. Parce que pour nous, c'est important. Pour un Romain, c'était important l'adoption. On en parlait beaucoup, ça faisait partie de la vie de tous les jours, des conversations de tous les jours. Je continue. Chez les Romains, adopter occupait une grande place dans la législation. L'enfant acquérait tous les droits d'un fils légitime. Donc quand Paul dit que Dieu nous a adoptés, il est en train de dire, eh bien, vous avez acquis tous les droits du fils légitime. Parce qu'on n'était pas légitime. D'accord avec ça, on est pécheur, coupable. Et puis vous savez, si nous manque un peu de crainte de Dieu, parce que là je suis en train de parler de l'amour de Dieu, je n'ai pas le temps de parler de la sainteté et de la crainte de Dieu. Mais parfois, ne faisons pas de l'amour de Dieu extraordinaire pour nous, le contraire de ce qu'il n'est pas. Parce que certains vont dire, bah, puisque Dieu m'aime, je peux faire tout ce que je veux. À un moment donné, tu vas te faire avoir. Hein. Dieu corrige aussi, hein, en tant que mon père. Okay. Mais on comprend bien qu'on n'était pas légitime. Il n'y avait qu'un fils légitime, c'était Jésus-Christ. C'était lui le fils légitime. Et là, ce texte nous dit, l'enfant acquérait tous les droits d'un fils légitime et il portait le nom de son père adoptif. C'est vraiment ce qui s'est passé pour nous. On était sans nation, on était étrangers, on était rejetés. Et aujourd'hui, on fait partie d'un peuple, on fait partie d'une nation sainte, on fait partie d'un royaume. Nous sommes l'Église de Dieu. Et tu es enfant de Dieu, tu es fils, fille de Dieu. Et le lien juridique ainsi formé s'opposait avec la même rigueur que le lien du sang à des mariages avec des personnes de la nouvelle parenté. C'est-à-dire que le lien juridique, le fait que tu sois adopté, c'était aussi fort que si tu étais fils de sang. Ça avait exactement la même valeur. Dans la constitution, dans le code juridique pénal des Romains, que tu sois adopté ou fils de sang, c'est la même chose. Tu es le fils de ton père. Mais on n'a pas le droit de te dire, mais toi, tu es moins que rien, tu es qu'adopté. Non, ça avait exactement la même valeur. Et donc, quand je vous dis qu'on a la même valeur dans le cœur du Père à cause de l'œuvre de Jésus, nous avons la même valeur aux yeux du Père que le Fils de Dieu, c'est hors norme. C'est Saint-Esprit qui le fait en nous, qui l'a fait en nous. Nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes régénérés, nous sommes de nouvelles créatures. Et justement, je continue ce texte. L'adopté devenait aux yeux de la loi, écoutez cela, étonnant, une nouvelle créature. C'était inscrit. Tiens, il est une nouvelle créature, lui, maintenant. Il était né de nouveau dans une nouvelle famille. Donc c'est ce que nous sommes devenus par l'œuvre de Jésus. Nous sommes devenus une nouvelle créature, née de nouveau dans une nouvelle famille. Et puisque nous partageons la filiation du fils légitime, on est fils avec le fils de Dieu, on est ses frères, on est ses sœurs, on est des fils adoptés, alors on a le droit de dire « Abba Père ».
je termine. C'était dernièrement, dans un entretien, partagé avec une jeune femme, et cette jeune femme me racontait ceci, me disait son expérience. Et puis, disait, c'est très sympa, tu es en train, tu vis un réveil spirituel. En fait, elle est convertie depuis une dizaine d'années. Elle est convertie depuis une dizaine d'années, et puis, elle avait compris que Jésus est son sauveur. Mais ça s'en est... Ça s'était arrêté là. Jésus est mon sauveur. Okay. Mais c'était jamais allé plus loin. Et aujourd'hui, de par les circonstances qu'elle est en train de vivre, je passe ces détails, qui ont été des circonstances douloureuses. Parce que la souffrance, bien souvent, amène la croissance. Si elle est bien gérée. Des fois, elle amène autre chose. Mais en tout cas, elle a bien géré ça, et à un moment donné, bon, la souffrance lui fait comprendre, mais dans tout ce que j'ai passé, vu tout ce que Dieu a fait avec pour moi, ses grâces, ses merveilles, etc., je ne suis pas simplement qu'une rachetée, moi. Je suis plus que cela. Je dis, oui, tu es en train de vivre un réveil. Ça fait 10 ans que tu appartiens à Dieu, mais tu étais simplement sauvé. Tu attendais le retour de Jésus. C'est quoi ta vie chrétienne? J'attends le retour de Jésus. Tu fais quoi entre-temps? J'attends. Intéressant ça. Maintenant, elle comprend qu'elle est fille de Dieu. Et elle peut avoir une relation avec Dieu. Et là, au niveau de son intériorité, la vie chrétienne devient extraordinaire. Alors que entre vous et moi, vous d'accord, elle trouvait ça plutôt ennuyeux. Hein. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui s'ennuient. Il y a des chrétiens qui s'ennuient dans leur vie chrétienne. Pourquoi tu t'ennuies? Pourquoi tu t'ennuies? Parce que tu n'as pas vraiment découvert qui est Dieu. Amen. Si tu connais Dieu, tu ne vas pas t'ennuyer. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Rien que ça, déjà. C'est ça. La qualité de la vie, c'est connaître Dieu et connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Amen. J'avais un autre point, mais on va terminer par là pour ce matin. Que Dieu nous bénisse. On peut, oui, bah, si vous voulez. Donc, on peut simplement rappeler, et je termine donc, promis, que le Saint-Esprit nous révèle l'héritage à venir. Ok. Et c'est ce qu'on a lu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Ok? On est d'accord avec ça? Amen. Amen. Nous sommes enfants, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui. Je vous l'ai dit, hein, la souffrance bien gérée. Elle nous amène à comprendre aussi notre héritage et à notre identité de fils et fille de Dieu. Amen. On prie Seigneur, on termine pour ce matin. Amen. Je veux vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Et on va ensemble rendre grâce à Dieu pour sa parole qui édifie, qui fait du bien, qui nous bénit. Amen. Seigneur, on te remercie pour ta présence ce matin. Merci pour ton peuple que nous bénissons, que je bénis. Merci pour... Eh bien, ce que tu fais dans la vie de chacun, et ma prière, c'est que tu nous donnes encore aujourd'hui de réaliser ta présence, de réaliser qui tu es, de grandir dans la connaissance de notre Dieu, Seigneur, de notre Père. Seigneur, vraiment que tu puisses ouvrir les cœurs par rapport à ta révélation, au travers des circonstances que tu peux créer, au travers de la parole que les frères et sœurs vont lire, mais qu'ils puissent s'imprégner de la vie de Dieu, qu'ils puissent réaliser leur identité de fils et de fille, afin qu'ils ne soient pas troublés par toutes les fausses doctrines qui peuvent circuler dans un temps comme celui d'une crise sanitaire. Seigneur, que nous puissions savoir notre identité, que nous puissions communier avec toi, que nous puissions avoir la paix de Dieu en nous, un enfant, un fils, une fille de Dieu est dans la paix, il n'est pas dans l'angoisse.
du lendemain d'une crise sanitaire. Il sait en qui il croit. Seigneur, je te prie pour que cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit vraiment quelque chose de fort et de bénissant pour le cœur de chacun, que nous puissions nous attacher, nous accrocher à toi, Seigneur, jour après jour, et bien dans la paix de Dieu et être en relation avec toi. Merci Seigneur pour ta grâce aussi pour ceux et celles qui suivront ce message par la voie de l'internet. Tu les béniras Seigneur au nom de Jésus Christ. Amen. Merci pour sa parole. Amen. Maintenant, nous nous préparons pour les annonces. Qui sera notre annonceuse aujourd'hui? Elle arrive. Bonjour à tous, alors, je vais vous donner lecture des annonces. Alors, ça sera mieux, c'est moi qui suis passée du mauvais côté. Voilà, donc pour nous encourager à penser à nos frères et sœurs, à nos bien-aimés qui passent par des moments difficiles, qui sont malades, qui sont alités, donc que nous puissions continuer à penser à eux dans la prière. Alors, je vais poursuivre aussi avec l'information concernant le mois de la prière pour l'aide. Chaque matin, notre sœur Angélique nous envoie des sujets de prière. Donc, pensons également à tous ces hommes et ces femmes qui souffrent par rapport à leur foi. Je vais poursuivre avec nos horaires de réunion que vous connaissez déjà. Donc, mardi à 18h30, ici en présentiel. Jeudi à 18h30 en distanciel avec l'étude sur l'Apocalypse et le dimanche, bien sûr, les deux cultes, 7h45 et 10h. Voilà. Donc, et bien entendu, vous recevez chaque matin les liens pour vous inscrire au premier et deuxième culte. Donc, si vous avez un souci, mais vous êtes déjà habitué, parce que vous avez déjà plus d'un mois que nous faisons les inscriptions, donc, mais si toutefois vous avez quelques difficultés, n'hésitez pas à envoyer un message à Céline ou à moi-même. Voilà. Donc, je vais terminer les annonces avec un fier parole de mariage. Donc, il s'agit d'Élodie, la fille de notre frère Pierre-Louis, de notre sœur Muriel Fontaine, c'est comme sur un petit coucou. Voilà. Donc, leur fille Élodie se marie le 7 août avec Kevin. Donc, c'est un mariage qui va se tenir à 14h à l'église La Pépinière à Saint-Denis. Donc, je vais lire la petite carte qui a été envoyée. Donc, je vais utiliser mon portable puisque c'est un petit peu petit pour moi. Voilà. Donc, mon premier est une rencontre, un beau jour d'hiver 2017. Mon second est un amour qui dure depuis 3 ans. Mon tout est le oui que prononceront Élodie et Kevin, La cérémonie sera célébrée le 7 août 2021 à 14h à l'église La Pépinière à Saint-Denis. Donc, voilà. Donc, le verset qu'ils ont choisi, c'est « Un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire, mais à deux, ils pourront tenir tête à celui-ci. Une corde à triple brin n'est pas vite rompue. » Donc, ce verset se trouve dans Ecclésiaste 4, verset 12. Voilà. Donc, c'était la petite carte qui nous a été envoyée. Voilà. Donc, que Dieu puisse bénir ces jeunes qui vont convoler. Et puis bénir aussi les parents qui vont s'absenter d'ici 2 semaines à peu près. Voilà, donc j'en ai terminé avec les annonces. Donc je laisse la place au pasteur, au frère Dévé. Que le Seigneur soit béni. Amen. Nous allons pouvoir nous séparer. Je vous renvoie donc par la prière. Amen. Notre Dieu de gloire, nous sommes heureux de notre piqûre de rappel. Tu es notre Père.
et nous sommes tes enfants. Par ton Saint-Esprit, nous prions que tu nous révèles l'immensité de notre héritage, que nous ne perdions aucune miette, car notre désir est de faire ta volonté. Comme c'est merveilleux de t'avoir au Père. Aussi, merci pour Jésus. Et encore, merci pour ton Saint-Esprit qui est notre pédagogue, qui nous conduit, nous enseigne, qui nous corrige, car ô combien nous avons à découvrir encore des aspects de ta personnalité et l'immensité de ton héritage. Merci pour cette semaine. Nous prions que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous puissions continuer à méditer sur ce message tout au long de la semaine. Et que nous puissions découvrir tout ce qui reste encore à découvrir. Que nous ne nous lassions pas de chercher et d'être à l'écoute. Que ton nom soit béni, exalté, magnifié, Père. Tu nous accompagnes dans nos demeures respectives. Et nous te remercions pour cette semaine bénie que tu nous accordes. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Restons bénis. Thank you.